Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une unboxing de mes petits jams, de la boutique mes petits jams. J'ai reçu un petit paquet. Alors dans ce petit paquet, c'est une commande que j'avais passée. Mais il y a aussi une surprise que je ne savais pas. Donc voilà, comme d'habitude, Fifi avec ses fesses. Voilà, donc c'est, je vous montre, voilà, mes petits jams. J'ai passé une commande, c'est vendredi, je crois, voilà. Donc avec le, non, samedi. Enfin, vendredi ou samedi. Donc avec le week-end, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein, donc, on est dans les délais, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la petite facture qu'elle met avec. Et voilà. Et comme d'habitude, sa petite carte avec un petit mot gentil derrière pour moi. Voilà. Donc, j'avais commandé l'arbre. Attention, Fifi. Vous avez vu, j'avais fait l'arbre de l'hiver. Hein, que Coralie m'avait envoyé en partenariat, voilà. Et donc moi j'ai décidé de continuer en faisant l'arbre du printemps, voilà, parce qu'on va arriver au printemps un jour, avec le temps qu'on a en ce moment. Donc, hop, attendez, je suis déjà en train de me bidouiller les mains. Voilà, donc voilà. Le kit, toujours bien emballé. Bon, Fifi, range tes fesses. Oh. Oui, vas-y, tu peux là-dessus. Elle est en train de faire ses griffes sur les enveloppes qu'on a reçues pour les élections. donc voilà. Alors, on va le déballer. Comme d'habitude, il y a le petit mode d'emploi. Voilà. Je remontre hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les vidéos de pour cette boutique là. Voilà, donc elle montre avec des dessins comment on fait, elle donne plein d'explications comment on doit faire son kit. Voilà, j'ai une mèche qui m'embête. Et derrière, elle met plein de petits conseils. Voilà. Allez. Donc, c'est très bien expliqué, très bien écrit, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer le kit d'abord. Donc, voilà l'arbre du printemps. Voilà, voilà le modèle. Donc, c'est une toile 30-30 avec 12 couleurs. Voilà. Donc, ici, il y aura 12 couleurs. Par rapport à l'arbre de l'hiver, il y en avait 10. Voilà. Donc là, bien sûr, ça va être beaucoup plus coloré. Hein. C'est normal. C'est le printemps. Désolée pour les reflets. Hein. C'est ma télé devant qui fait les reflets. Vous voyez ? Donc, je sens que je vais encore bien me régaler à faire ce kit. Avec le petit kit, comme d'habitude, hein, le petit plateau vert, le petit carré de colle, la petite pince noire et le petit stylet rose. Voilà. Mais là, bon, je ne vais pas les utiliser. Hein, je vais continuer à utiliser ceux que j'ai en ce moment. Là je les garderai en dépannage. Avec, on a un petit paquet avec des petits sachets zippés pour remettre les perles qui nous resteraient. Et derrière, dans ce petit paquet, il y a des petites étiquettes blanches, donc pour coller sur les petits sachets pour mettre les références des perles. Voilà, donc ça c'est très pratique pour pouvoir ranger les perles qui nous restent après. Et ici,
les perles. Alors là, ce sont des diamants spéciaux, qu'on appelle ça. Je vais vous montrer pourquoi. Celles qui ont déjà vu les vidéos d'avant le savent. Mais si vous êtes nouvelle sur la chaîne ou si vous n'avez pas encore vu les vidéos concernant ces diamond painting, voilà. Alors, d'abord, on a un chapelet. Voilà. Un petit chapelet comme ceci avec différentes couleurs. Donc il y a le blanc un peu couleur diamant. Donc ce sont toutes des perles brillantes là. Ça fait vraiment strass. Voilà. Donc là c'est le blanc, le rouge, le rose, le vert, les noirs. Oh pardon. Là, c'est des violettes, voilà, violettes. Encore, alors des bleus et ici des jaunes, voilà. Ensuite, donc dans les diamants spéciaux, j'ai des grosses strass comme ça, bleues, avec des petits reflets hologrammes. Et j'ai des perles ovales, voilà, de différentes tailles. Donc voilà, ça c'est les plus grandes, je pense. Oui, voilà, les plus grandes. Donc des bleus, comme ceci. Tout à l'heure j'ai dit hologramme. Non, pas hologramme, holographique. Là, des blanches, justement, un peu avec des reflets holographiques. Et les dernières, donc les petites, elles ont une couleur, je cherche un peu crème, jaune, enfin diamant un peu jaune, voilà, un peu marron clair, un peu, voilà. Voilà. Donc là j'ai bien mes 12 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc là, elles sont toutes notées par, voyez, le, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et ici, les perles spéciales ont des petites références comme ceci. Voilà. Et le dernier, le voici. Donc ces références, bien sûr, vous les retrouvez sur le kit, ici, et une deuxième fois en haut. Voilà. Fifille, bouge tes fesses. Voilà, merci. Donc voilà. Pour ce kit, donc ça c'est celui que moi j'ai commandé. Je vous mets en barre d'infos le lien pour le retrouver, ainsi que pour retrouver, puisque c'est une série de 4 diamond painting, là, puisque c'est les saisons. Vous retrouverez donc dans les liens l'arbre d'hiver, l'arbre de printemps, d'été et d'automne. Voilà, je vous mets les liens des 4. Également le lien de la boutique, la page Facebook de Coralie, et comme d'habitude. Et chose très importante, le code promo. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé le code promo que je vous ai donné auparavant, vous pouvez toujours encore l'utiliser. Donc, c'est un code promo pour votre première commande chez Coralie. Enfin, je remets les perles dans notre petit sachet pour ne pas mélanger avec le deuxième kit. Voilà. Donc ça, c'était le premier, donc celui que moi j'ai commandé. Donc, on va mettre sur le côté. Et voilà le deuxième que Coralie m'a fait la surprise de me mettre en cadeau. Voilà. Alors, je suis super contente en plus parce que j'avais complètement craqué sur celui-là. Fifi, allez, bouge tes fesses. Oh,
j'avais complètement craqué sur celui-là en voyant sur sa page Facebook. Et je suis trop contente. Donc, comme d'habitude, il y a le petit mode d'emploi. Et voilà. Tadam! Alors, elle l'appelle le hibou grincheux. Voilà. Il est trop beau. Donc, sur la page Facebook, je l'ai vu fait. Il est magnifique. Je l'adore. Ah oui. Il est trop beau celui-là. Enfin, ils sont tous beaux, hein. Tous ces kits comme ça en diamants spéciaux sont vraiment magnifiques. Et celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc, c'est également un 30-30. Hein. Donc, 30-30, c'est la toile. Hein. Voilà. Et comme pour l'autre kit, alors ici, comme j'ai déjà une pince, là je ne l'ai pas. On va pas faire une collection de pinces, hein. C'est normal. J'ai le stylet, le petit carré de colle, le petit plateau. Et ici, alors ici j'ai pas de sachet en plus zippé. Parce que là, toutes les perles sont déjà en sachet zippé. Donc, une fois que j'ai terminé mon kit et qu'il me reste des perles, ben je les laisse ou je les remets directement dans leur petit sachet d'origine. Là, je n'ai pas besoin de faire de transfert dans des sachets. Alors, ici, celui-ci, j'ai oublié de vous dire, il a 8 couleurs. Voilà, je vous montre. Ici, voilà, 8 couleurs. Donc il a un peu moins de couleurs, mais il a tout autant de perles à mettre. Même je trouve qu'il en a vraiment beaucoup. Donc il va, je crois que au niveau à la lumière, il va péter celui-là. Il va être super beau. Alors je vous montre les perles. Donc vous voyez, en sachet déjà zippé, numéroté. Donc là, je suis tranquille. Alors, les premières, ce sont des violettes, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Les deuxièmes, le numéro 2, ce sont des... Alors, blanches, je trouve qu'il y a un petit reflet bleu dedans. Voilà. Le numéro 3, alors, c'est des... Là, c'est des blanches, je crois. Oui, là, c'est des blanches. Voilà. Le numéro 4, c'est des jaunes. Le numéro 5, ah, j'en ai une qui se sauve. Je vais la remettre. C'est des rouges. Je vais la remettre après. Le numéro 6, ce sont des jaunes un peu plus foncés. Voilà. Le numéro 7, donc là, ce sont des plus grosses. Donc, elles sont blanches. Voilà. Et le dernier, donc ce sont des... Elles sont en forme de goutte d'eau. Comme ceci. Voilà. Un peu couleur vert d'eau. Voilà. Numéro 8. Donc, voilà. J'ai du boulot. Je suis contente. Youpi! Donc, je ne vais pas le commencer ce soir parce que là, il est déjà tard. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo un peu tard parce que là, je suis en train de monter la vidéo de ma journée création à la maison avec Sylvie. Et là, la vidéo est très longue. Donc, je m'énerve. Donc, je ne vais pas commencer les kits aujourd'hui, mais je les commencerai, je pense demain, oui, peut-être demain, si vous êtes sage. Alors, par contre, alors je ne sais pas lequel je commence, si je commence le hibou ou si je commence, alors c'est vous qui allez me le dire, voilà.
Donc, je commencerai une fois que j'aurai eu vos commentaires. Voilà, on va faire comme ça. Alors, je vous les remontre tous les deux. Hop. Donc, il y a l'arbre. Il y a le hibou. Et dites-moi en commentaire par lequel vous voulez que je commence. Alors, vous me dites l'arbre ou le hibou. Voilà. Alors, dites-moi bien en commentaire lequel vous voulez que je commence. Et ben, je commencerai par celui qui aura eu le plus de voix. Voilà. Alors, le hibou, l'arbre, lequel vous préférez? Vous mettez votre choix en commentaire et puis je me fierai à la majorité. Voilà, c'est le moment, hein, c'est les élections. Alors, allez, on vote. On vote pour le kit que vous préférez et je commencerai par celui-là. On fait comme ça? Voilà, je vous les remontre tous les deux. Donc, celui-là, l'arbre du printemps ou le hibou grincheux. Voilà. Oh. Alors, dites-moi en commentaire par lequel vous voulez que je commence. Et puis, voilà, comme ça, je saurai. Parce que c'est vrai que le choix est quand même difficile. J'aime beaucoup, beaucoup les deux. Donc, voilà. Et comme ça, bah, je... de toute façon, je ferai les deux, hein, ça, c'est sûr. Mais bon, il faut bien que je commence par un. Donc, j'attends votre réponse, votre vote, ici, en dessous, en commentaire. Et dites-moi lequel vous voulez que je commence. Voilà, voilà. Donc, bah, ma vidéo n'est pas très longue aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que mes petits diams, donc c'est une boutique, une vraie boutique française qui est gérée par Coralie, qui est un... Oh, j'ai plus le nom du département en tête. Je ne vois pas bien là sur le... C'est le 39. Mais bon, il y a eu la pluie un peu sur le timbre poste. Oui, je crois que c'est 39, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la Gironde. Coralie, si tu passes par là, si je dis une bêtise, excuse-moi, corrige-moi. Je vous remets, tiens. Je vous remets là en dessous. Ah ben attendez, je suis bête, peut-être sur la carte. Non, c'est pas marqué sur la carte. Je cherche tous les papiers que j'ai. Si je vois l'adresse. Si, voilà. Donc c'est le département 33, allée de Cazaux. Voilà, donc si vous connaissez. Donc je disais, c'est une vraie boutique française qui a son stock de kits chez elle, hein, elle a son propre stock chez elle, bien sûr qu'elle fait revenir de fournisseurs, hein, ça, on ne peut pas y échapper, mais ce qui lui permet, quand vous passez une commande sur son site, 48 heures après, vous recevez le kit, voilà. Vous le recevez en, alors suivant la grandeur du paquet, hein, vous le recevez en suivi, en lettre suivie, ou alors en colissimo. Voilà. Mais 48 heures après, soit bon, si ça tombe un week-end comme moi là, bon, il y a un jour de plus ou deux, mais en 48 heures, le kit est chez vous. Voilà. C'est ça qui est très bien. Et. Donc, en même temps, ne pensez à aller voir sa page Facebook, que je vous ai mis le lien en bas. Sur sa page Facebook, tous les mois, elle organise un concours. D'ailleurs, là, elle vient d'en mettre un en route hier. Voilà. Donc, il y a un magnifique kit à gagner sur sa page Facebook, là, pour tout ce mois de mars. Donc, elle en met un tous les mois. Sur la page à gagner. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bah, que c'est une femme formidable et qui vient de... c'est une ancienne psychologue, mais ça je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos.
Mais bon, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas encore, ou les nouvelles personnes, les nouveaux membres de ma chaîne qui n'auraient pas encore vu les autres vidéos. Donc, c'est une ancienne psychologue qui s'est lancée donc dans le diamond painting maintenant et qui est très heureuse comme ça. Voilà. Et qui nous rend très heureuse avec ses kits. Donc voilà, ben je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique, sa page Facebook. N'hésitez pas à utiliser le code promo si vous passez une commande. Hein, ça vous permettra d'avoir 10% sur votre commande, sur votre première commande. Hein. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas de me donner votre avis. Donc en commentaire pour me dire lequel vous voulez que je commence, l'arbre ou le hibou. Voilà, et comme ça, ben, dès que j'ai vos commentaires, votre réponse, dès que j'en ai le plus, alors du coup, je commencerai peut-être pas demain parce qu'on va attendre que j'ai quelques commentaires. Je commencerai, on est quoi? On est mercredi, je vais essayer de mettre la vidéo en ligne demain. J'essaye. Mercredi, jeudi. Bon, je ferai ça ce week-end, je pense. Je pense que j'attaquerai ce week-end. On va essayer. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.